Une petite fille de 5 ans est gravement blessée. Une bétonnière lui est tombée sur le ventre. C'est une urgence vraiment vitale. Là, c'est, ça peut être catastrophique. L'équipe du SAMU fonce à toute allure pour lui porter secours. Je suis le docteur, moi, d'accord ? Je m'appelle Charlotte. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Elle l'a pris quand, la bétonnière, madame ? Ça fait 5 minutes. D'accord. Vous avez réussi à la dégager facilement ? Oui, oui. Elle est lui tomber dessus et vous l'avez poussée. J'étais pas là, moi, il y avait un bouffon en bas et... Malgré l'urgence, la médecin ne peut pas examiner l'enfant aussi vite qu'elle le ferait pour un adulte. Elle doit réussir à la mettre en confiance. Tu as mal au ventre ? Alors, je vais te déshabiller juste un petit peu. Tu lèves un tout petit peu les fesses, ma puce. L'urgentiste évalue la situation. À 5 ans, les enfants n'ont pas de muscles abdominaux et le choc d'une bétonnière sur le ventre a pu provoquer des dégâts. Je vais appuyer sur le ventre, d'accord ? Je vais appuyer tout doucement. Tu me dis si ça fait bobo, d'accord ? Là, ça fait mal ? Ouais. Quand je touche son ventre, il est dur comme du bois. Donc, je suis vraiment quasiment sûre qu'il y a un saignement à l'intérieur. Tu as peur. Alors, on est très gentil, d'accord ? On va s'occuper de toi. Est-ce que tu veux que maman, elle te donne la main ? Oui ? Hop, maman, je vous embauche. Je vous laisse vous mettre là. Je vous la câliner, parce qu'on va être obligé de la perfuser. Mon collègue, là, Quentin, il est très gentil. Il va être obligé de te mettre un petit tuyau dans le bras, mais ça ne va pas te faire mal. Pour calmer la douleur de la fillette et lui donner des médicaments, il faut poser une perfusion. Un acte douloureux et impressionnant pour une enfant. Mais le docteur Isaac a plus d'un tour dans son sac. Est-ce que tu as déjà eu le petit masque comme ça qui empêche d'avoir des bobos ? Non. Tu n'as jamais eu ? Alors, c'est un truc, c'est magique. On va chanter des chansons dessous, d'accord ? Et ça va te permettre d'avoir la piqûre sans avoir mal. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue. Grâce au gaz antidouleur et à la comptine, la médecin détourne l'attention de l'enfant pendant que l'infirmier lui pique la main. Est-ce que t'aimes la Reine des Neiges, toi ? Oui ? Et tu préfères Anna ou Elsa ? Anna ? Ma fille, elle a le même âge que toi, elle préfère Elsa, elle. Mais moi, je préfère Anna. Ça pue. Ça pue ? Ça pue ? Ah bah on me l'avait jamais dit ça. Eh ben on l'enlève alors. Parce que c'est fini. T'as été super courageuse. Super courageuse. Franchement, t'es super courageuse. Ce qui est faussement rassurant, c'est que pour l'instant, elle va bien. Le cœur tient bien. Son pouls est normal. Mais c'est pas pour ça que ça saigne pas. Et en fait, les enfants, ils tiennent toujours le coup très longtemps. Et par contre, quand ça ne compense plus, ça part très vite. Le docteur Isaac sait qu'à tout moment, l'état de la fillette peut s'aggraver. Malgré son inquiétude, elle ne laisse rien transparaître. Quentin, on prépare du coup l'exacil, le paracétamol, s'il te plaît. L'enfant reçoit un médicament qui ralentit d'éventuels petits saignements. Mais s'il y a une hémorragie importante, il ne sera pas assez efficace. Il n'y a donc plus une minute à perdre. On lui fait un gros bisou avant maman. Je vais vous demander d'appuyer un peu sur le champignon. Ok, quand c'est clair. SAMU 63, SAMU 63, VML2, VSAV, médicalisé au départ des lieux d'intervention. Je vais aller leur boucher le carrefour parce que ça risque d'être le bordel. 19h30, l'heure des embouteillages. Le véhicule du SAMU se transforme en escorte du camion des pompiers. À son bord, la médecin et l'infirmier surveillent attentivement la petite fille. Et je trouve que son ventre, il se tend. Je sais pas ce que ça se bombe, j'ai l'impression. Quelques minutes plus tard, le convoi arrive aux urgences pédiatriques. Et maman, elle est arrivée parce que maman, elle a pris une voiture qui roule aussi vite que les pompiers avec nous. Ah non, c'est nous qui avons gagné la course, elle est repassée derrière maman. Donc là, on va l'emmener au déchocage, c'est une salle, on va un peu tous se jeter sur elle le temps de faire le point, d'accord ? Vous pourrez rester et on va passer nos transmissions. Maintenant que l'enfant est pris en charge, l'urgentiste peut enfin souffler. Il ne faut pas se laisser dépasser par la peur, par l'inquiétude. La pédiatrie, c'est toujours un peu plus dur. Enfin, moi, j'ai une fille qui a exactement le même âge. Je ne me projette pas parce que j'essaye de ne pas le faire, mais on sait qu'on est à risque de le faire. Et de se conditionner, on n'oublie rien et on reste dans le cadre et ça permet de garder ses moyens sur l'intervention. Aux urgences, les médecins vont réaliser une échographie du ventre et du thorax de la petite fille. Une heure et demie plus tard, le docteur Isaac appelle le service de pédiatrie. Super. Merci, Jamel. Bonne garde. Ciao. Sur le ventre, il ne voit rien pour l'instant. Par contre, elle a un épanchement de sang, mais plutôt à la base du poumon, avec un petit épanchement d'air associé. Son pronostic vital n'est pas engagé. On est soulagé pour elle, on est rassuré pour elle. La fillette a eu beaucoup de chance. Le choc avec la bétonnière a provoqué un saignement au poumon qui aurait pu être mortel. Heureusement, elle a été prise en charge rapidement. Après 3 jours de surveillance, elle a pu rentrer chez elle.
Dorian Vincent, Régis pour un primaire. SAMU 63 de VML 1, top départ. Nouvelle urgence, l'équipe du docteur Tessandier quitte le SAMU. On part sur une personne de 62 ans qui a chuté d'un escalier, qui présente un traumatisme du poignet et un traumatisme facial. Je sais juste qu'elle a chuté de 3 mètres dans les escaliers. Si elle tombe sur la tête, ça peut être assez important. Une telle chute a peut-être provoqué une fracture du crâne. L'équipe du SAMU doit rejoindre la victime le plus vite possible.